Rio. C'est comment? Bonjour la reine mère, bonjour. Blanche et sommet, bonjour à toi. Gingime des jaloux. Il y a un qui s'est déjà réuni avec les gens pour m'insulter. Je te vois, c'est même prononce plus ton nom. Elvis Chimène. Coucou la number uno, la douce noire. Dora Dora. Liche Chamel de Paris. Moucon Élise. C'est comment? Chance me couvre. C'est rare ou non? Bon, ben, je suis déjà à Paris là. Je m'en vais à la maison. J'ai bien voyagé. C'était bien. J'ai fait un bon vol. Donc, je vais tranquillement rentrer. Oh. Bonjour, Tata Diane. Je m'en vais à la maison. L'avion vient d'atterrir. La chienne là, Johnny Anthony, c'est comment? Mini Minon, Mini Minon. La petite pétasse là, avec sa grosse bouche comme le. Sa large bouche. Sapac. Gouvernement Sharon, Louise Ndolo. Donc cette Sapac aussi, elle parle de Interpol. Vous connaissez ce qu'on appelle Interpol? Interpol, c'est pour les grands criminels, hein. Un de SAPAC. Donc toi aussi, tu n'as même pas les papiers en Angleterre. La carte de 1 an, c'est quoi? Avec la carte de séjour de 1 année. Elle vient parler à Facebook. Tu n'as pas encore fait passe-tout. SAPAC. Je suis assise à l'aéroport. Terminal 2D. À Paris. Donc, je finis le direct et je rentre. Demain, direction Rennes. Ouais, je commence à marcher. Je vais chercher le métro. Je vais chercher le train. Je vais chercher le train, le train, le train, le train. RER. D'accord. Je vais chercher ma voiture. Je continue. Donc toi, la sapac, la patapouf là, la chienne, la voleuse internationale. Jusqu'à si je viens en Angleterre, Interpol, sapac. Franchement, les Camerounais, hein, une Française de mon état, dans ses droits, avec ses papiers, une pétasse avec la carte de séjour d'un an. Elle vient par là, Fleur de l'île. Chienne. Elle prend mon train. Une pétasse. Une salope. Interpol. J'ai qu'un. Le sapac là. Prostichienne. Tu vas. Je dis que. Tu vas choquer. Chienne. Pétasse comme ça. Tu vas choquer. Tu vas choquer les injures. Les abeilles, vous avez laissé pourquoi l'homme d'abord? Vous avez donné le order. Je n'avais pas dit cacham. Anobi torse cacham pendant ce mot patapouf. Nous bien allons torse cacham. Non, on a gogo retraite. Vous faites avoir donc taille for work. Donc, si je finis là, maman, le tout si haut, c'est sûr que Dieu éternel dort, maman. Ouais, mon petit. Oui, il faut prendre le métro, maman. Je profite un peu d'internet. Je paie quoi? Ils sont à l'aéroport, non? Vous m'avez fait quoi à la maison? Je n'ai pas dormi seulement. Insultez la voix patapouf. Puis je rentre. Je dis, hein, vous les abeilles là, je n'avais pas dit cacham. Anobitox c'est cacham. Une sapac.
Je suis même allée même voir la police londonienne. J'ai demandé si j'étais recherchée. Pétasse. Une personne s'assoit dans les appartements meublés à Londres pour parler à Fleur de Lys. Le piège que je te tends, hein. Maman, il go fort pour ma piège. Tu seras dosé. Aïe. Comme vous aimez entendre, vous entrez dans les problèmes à Facebook sans connaître là. Kacham, j'ai dit Kacham depuis. Vous avez laissé. Qui vous a dit de laisser même? Je vous envoie au chômage, vous les abeilles là. Vous ne travaillez plus pour moi. Je vous ai dit Kacham avec le surnom, pas que vous prononcez tout le nom. J'ai dit Kacham. Hein, j'ai pas dit Kacham avec le surnom. Patapouf, c'est tout. Manakoff, c'est qui le voleur là? Madoff. Patapouf, Madoff. Pétasse. Regarde-moi celle-là. Maman, regarde. Regarde. Maman, même à mon vieil âge. Hein? Petite prostitute. Elle a tellement sucé que sa bouche. Je suis à l'aéroport, je suis à Paris. L'avion vient d'atterrir là. Ou bien vous avez dit que je suis allé à Londres à pied. Pétasse. Aïe aïe aïe. Inquiète-toi, il va y arrêter. Inquiète-toi, il va y arrêter. Suceuse de Mangola. Et sa large bouche. Imbécile. Tu vas regretter le jour qu'elle m'a mis une vue. En combien d'heures là? Mbrakata. Vrai mbrakata. Compagnie. 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 Tu vas regretter le jour qu'elle. Tu t'es assise, tu m'as manqué le respect. Je dis que tu n'as pas encore donné ta vie à Jéhovah. Comme vous aimez entendre quand vous allez en détresse. Jéhovah, alléluia, amen, alléluia. Et go pray, passe dans one. Ta grosse bouche comme la ventouse qu'on tire. Ta bouche comme la ventouse qu'on débouche les toilettes avec. Sa large bouche. Quand je suis assise comme ça, quelqu'un passe là, même dit que Fleur de Lys, c'est toi qui viens. Donc, hein, je vais mordre ses seins. Comme c'est un mordre, ils aiment mordre que la main là. Il go commode des clashs. Il n'y a pas le temps. Quand tu venais m'insulter ici, tu avais bien le temps. Je suis assise à l'aéroport. Terminal 2D. Vous arrivez. Je ne peux pas prendre le RER là-bas. Pétasse. Mais prends le train. Je vais chez Dieu éternel. Je vais chercher la voiture là-bas. Et puis je pars à Strasbourg Saint-Denis. Pas me coiffer. Non. Je ne vais pas changer mon vernis. Parce que demain, j'ai une grosse soirée à Rennes. Avec mon père, Prince Patrice. Voilà. Donc, vous voyez comment je suis très occupée. Dimanche, quand même, je vais me reposer. La semaine prochaine, je suis à Istanbul. Je vais mordre. Attendez, vous cherchez les problèmes aux gens. Une sapac. Maman, regarde les gens qui disent qu'Interpol, c'est quoi Interpol au fait? Ceux qui étaient à l'école, viennent nous dire qu'est-ce que c'est qu'Interpol. Une voleuse, elle vole. Merde. Quelqu'un m'exploite et dit qu'Interpol va m'arrêter, mamie. Je suis passée. Maman, tu insultes une personne qui a le passeport français. Pétasse. Regarde bien. C'est le passeport français, hein. Ce n'est pas la couverture que j'ai achetée pour cacher. C'est ça. Poste tes papiers, on voit. Tu as la carte de 1 an. Ça pas qu'avec la carte de séjour de 1 an, elle parle à qui? Une voleuse de carte bleue avec les ninjas. Biche.
La mamie Pima. Imbécile. Maman, Interpol, c'est pour les grands criminels. Hein. La sapin s'assoit, celle qui dormait à l'école. Elle dormait en classe. Elle arrivait à l'école. Elle passait son temps qu'à sucer les sucettes. Elle dormait, elle arrivait. Elle a fait que l'école. Elle dormait seulement. Elle arrivait le matin, elle demande qu'on a fait quoi hier. Elle écarte ses jambes, les petits garçons, la mbinda là-bas, pour faire ses devoirs. Sapac. Tu vas regretter quand. Hein? Tu vas en vouloir à ta mère toute ta vie de t'avoir. Pétasse. Alors que tu as gâté ton commerce, chienne. C'est qu'une m'a envoyé tous les papiers. Pétasse. Une menteuse que. Je ne savais pas que la fille a menté comme ça. Maman, les papiers en disent tout, maman. Tu avais dit que quoi? Maman, la vérité est sortie. C'est qu'une m'a donné tous les papiers. Youp. Maman, quelqu'un insulte une personne qui a acheté des produits de 50 000 euros, maman. Criminel en col blanc. Tu suces la sucette comme ton père, l'omkana. Ouais, longue, tu es grave, tu mangeais seulement le lapon. Lapon. Tu mangeais que le lapon là, maman. Le lapon. Le père là mange le lapon. Le père là mange le lapon comme si son dentier était tombé. On mange la glace. On suce. Maman. Elle voulait cogner les têtes. Elle a compris que. Une sapaque. Un pépé. Chouane. Une pétasse. Lang, mais bien aimé lang. Le lapon. Mais le lapon, c'est la glace au pays, non? Le lapon. Maman, votre artiste là connaît quand même ce souillet. Ouais, maman, c'est qu'elle a été de manger la glace, ça. La souillure de ça. Ouais, maman, le camp des détracteurs là, ils ont tellement les défauts. Toujours en train de faire la grosse bouche. Vous êtes en train d'insulter qui comme ça? Mais con. Ta mère con. Une sapaque. Elle ose carrément dire Interpol, elle ne peut pas mettre les pieds en Angleterre. Elle va intimider qu'une vieille rococo comme moi. On intimide une vieille rococo comme moi. Une sapaque. Pétasse, viens encore parler. Chouane. Je ne suis pas en train de prononcer le nom, on est bien d'accord. Pétasse. Tu vas choquer. Tu vas comprendre que ici, là, c'est bien. Et que l'Union européenne, que l'Angleterre fait partie de l'Union européenne. D'accord. Maman la sucette de ça. On a refusé le visa de l'Angleterre à un artiste camerounais. Maman, le refusage de chat. Les États-Unis refusés. Contourné par le Mali pour demander en Angleterre. Refusé. Maman, allez purger vos peines. Ouais. Oh maman. Elle s'est attaquée. Bonjour Vanessa Pan. Merci pour tous les papiers que tu as envoyés. Merci Esther Kimo. Merci beaucoup. Vous êtes amour. Maman Pionion, sur ce que j'ai de la peau. Ouais. Pionion, sur ce que j'ai de la peau comme ça, maman.
Le lapin de chat. Le lapin de chat. On dirait qu'il mangeait le Topsy Banana. Ouais, mon libérateur. Tu as filmé même ça que ouais. Je sais que l'Angleterre ne fait pas partie de l'Union Européenne, mais l'Angleterre contrôle tous les criminels. Vous parlez de quoi? Oui. Vous allez apprendre l'euro par une bénédiction. Moi, mon passeport. J'ai envie de manger le lapon. Le lapon. Ce qu'on vend devant boulangerie, coiffe là. Devant les boulangeries au pays là. On appelle ça la glace anglaise, la glace italienne. C'est ça qu'au pays on appelle le lapon. C'est très bon. Maman, il ne faut pas que mes aisselles sortent. Les aisselles de chat, même si ça sonne, mes aisselles sont propres. Les aisselles de chat. Une vieille chouette avec les seins tombés là. La vieille chouette, la sapaque. Sapaque. Mais, maman, une grosse vache comme ça, elle part à la piscine, mamie. Jusqu'à elle va aussi faire le péroulé dans l'eau. Maman, la saleté de ça, les végétaux de ça. Vous là que vous aimez souvent appeler les gens là, vous les Africains, apprenez à être polis. Hein. On n'appelle pas les gens inbox comme ça sans demander. Il faut appeler quelqu'un, demande bonjour, excusez-moi, est-ce que je peux vous appeler? Il faut être poli, hein. N'importe quoi. Envoyez les cœurs à la reine, mais abonnez-vous massivement sur la page Instagram de la reine mère, s'il vous plaît. Vous allez suivre tout. Et abonnez-vous sur ma page Instagram. Oui, sur la page Instagram de la reine mère. Vous n'êtes pas en train de vous abonner assez, hein. Oh, vous allez rater les choses. Le shooting photo va commencer là. Pour l'accouchement, je vais commencer à me filmer avec la grossesse là. Le ventre dehors de ça. Une sapac patapouf. On me dit même qu'elle a porté la combinaison. Yeah, maman. Une chef d'entreprise qui porte que le collant, maman. Le nom Instagram, c'est les cosmétiques Fleur de Lys. Je crois, non? Je vais remettre ça. L'Angleterre fait partie de l'Union Européenne, mais pas dans le Schengen. On est bien d'accord. Donc, pourquoi les Européens vont en Angleterre et ne demandent pas le visa? Quand tu as le Kaolo French, tu ne as pas le visa. Une frappeuse comme ça. Une sapac. J'ai posté ça l'autre jour. Pardon, travailler pour l'accouchement là. Hein. Heureusement que j'ai parlé avec le mari de Vanessa Pong, avec Monsieur Pong qui est très gentil. Une pétasse, elle dit que les Indiens, maman, les Indiens, c'est nos beaux frères. C'est les frères de Vanessa Pong, c'est beaux frères, les Indiens là. Une vieille, une petite fille comme ça, elle est déjà comme une vieille chouette, une encaisseuse. Avec son clitoris hors de sa chatte. Pourquoi ton clitoris? Allez lui demander pourquoi son clitoris est hors de sa chatte. Que une étudiante qui a fait les études a dit qu'ils habitaient dans la même chambre à l'université. Et elle passait son temps à se branler devant les filles. Donc c'est une lespute. C'est une lespute. Elle fantasme. Tu fantasmes sur ta mère, mamie. Tu fantasmes sur moi jusqu'à ce que tu te lèves le matin, tu dis, j'ai rêvé Kalamongo. Elle m'a fait l'amour et j'étais mouillée, je me suis levé mon caleçon. Mais attendez, vous imaginez un peu, une petite fille comme ça, soit disant que son caleçon était mouillé. Maman, tu fantasmes, tu te lèves, au moins Kalamongo t'a fait joie, salade. Les abeilles, j'ai dit Kacham, vous avez lâché, non? Vous avez laissé, non? Merci. Parce que c'est maintenant qu'elle va écoper. Hein. C'est maintenant que... Jamais prononcer le nom. Hein. Mettez que les surnoms. On ne doit même pas savoir de qui je parle. Comme vous êtes Zabé, en tout cas, tant que ce n'est pas moi qui parle. Tant que ce n'est pas moi qui prononce. Je connais mes droits.
lavez-la bien, vous rincez. Je vous laisse le travail là. Je connais mes droits, maman. Je ne peux pas prononcer son nom. Mais le surnom de ça, Patapouf. Parce qu'elle a la team Patapouf. Elle croyait que en disant ça, ça va calmer les gens. Je vous ai dit que réveillez-vous. Vous tombez sur ça. Rendez-vous le 26 août à Manchester. Puis ça part comme ça, elle prend tout. Je m'en vais à la maison, pardon, je m'en vais à Château d'Eau. Il y a des choses à faire. Même au coiffer. J'ai envie de faire une coupe courte. Je ne sais même pas ce que je fais sur la tête. Hein. Tant que ce n'est pas moi qui prononce son nom, ça va. Pardon, j'avais dit l'autre, toi qui envoie les têtes de moi, je te bloque après. Je vous ai dit que partez sur les anciennes vidéos que cette chienne, cette pute, des lobbies, cette racaille, là où elle avait prononcé qu'il y a un endroit où elle avait dit oui, j'ai envoyé le contrat, mais je n'ai même pas signé ce contrat. Donc elle reconnaît. Il faut couper aussi les parties où elle explique ce que je vais gagner. Il faut. Parce que ça, c'est la confirmation du contrat aussi. Hein. Les gens pensent qu'un contrat, c'est seulement sur écrit que tu as signé. Un contrat peut être verbal. Vous partez à l'école, c'est vous qui venez, si vous asseoir sur Facebook, vous ne connaissez même pas la loi. Hein? Les gens pensent qu'un contrat, c'est seulement ce qu'on a signé. Un contrat peut être aussi verbal. C'est vrai, il faut piquer les vues. Cette sapac, mais ne la laissez pas quand même. Il faut qu'elle choque d'abord bien. Divertissement, Japabla. Okay. Ouais, maman, si je vais jusqu'au terminal, au terminal, je vais chercher mon. Ouais, Dieu éternel, réveille-toi, non, mon frère, tu dors quoi? Jusqu'à 10h. Oh. C'était hippopotame. Maman, elle est plus hippopotame que moi. Maman, une grosse vache. Maman, une sapaque. Une sapaque. Elle prend mon métro. Oui, maman, les voyages, là, c'est fatigant. Hein. Ceux qui m'envient là, que oh, la reine met tout dans les avions, les gens. Maman, que Dieu vous donne vos papiers, vous commencez à bouger comme moi là. C'est pas facile, hein. Quand je rentre comme ça, j'ai le retard de sommeil. Là, maintenant, je vais aller à la maison. Je ne vais même pas à la maison. Il faut que j'aille me coiffer. Bientôt, je vais arrêter les soirées, hein. Parce que comme je vais accoucher là, je n'aurai plus le temps. Maman, la première fois que je suis arrivée en Beng. Maman, les escaliers roulants sinon. Les escaliers roulants. Maman, j'ai failli tomber sur ça. Oh. Maman, la première fois que je suis arrivée en Beng. Maman, les escaliers roulants. Je croyais qu'on m'a poussé, mamie. J'ai monté sur ça, je croyais qu'on m'avait poussé. J'étais sur les escaliers comme ça, pas le genre si ce qui est comme ça, pas le genre de l'aéroport si. Maman, je croyais qu'on m'a poussé quand je suis arrivée sur ça. J'ai fait comme ça. Maman, ben, quand tu viens d'arriver en Beng, tu souffres, maman. Tous les jours, tu fais les erreurs. Tous les jours. Je suis à Paris, non, terminal 2. Vous connaissez pas le long couloir si. Ah, allez-y. Le long couloir du terminal 2, si vous ne connaissez pas. Le long couloir, c'est du terminal 2, non? Quand vous partez au pays, là, vous passez ici, non? C'est dans la, 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 le premier Gaou à Paris. Maman, quand j'étais encore riche, une ancienne riche, je faisais les tours tous les jours pour le pays, maman. Le couloir, c'est là. Je faisais ça, hein, tout le temps, je faisais ce couloir. Donc, commencez à continuer à cliquer dans la cagnotte pour aider. Allez-y, monsieur. C'est pas grave. Ah. Maman, il y a un beau gars derrière. Regardez. On ne peut même pas le voir comment. Maman, il y a un beau gars là. Un beau gars. J'ai envie que vous le voyez. Regardez. Un mignon. Il
les Chinois aiment Paris, vous savez. Qu'est-ce que place là? C'est dans la galère. Quand j'avais un peu. Hey, maman, quand j'étais riche, j'avais dormi ici à l'aéroport un jour. Dans l'hôtel ici, maman. Ouais. La vie, ça va revenir, non, la team. Que quoi? J'ai envie de manger une glace. Je vais manger le lapin. Comme pion-nion. Je vais manger le lapin. J'ai envie du lapin. Hé, hey, maman, je vais faire comment? Le terminal 2, c'est trop. Je vais faire comment? Je coupe un. Terminal 2, si. Attends, je ne pars pas à Lille, là. Je vais pas à Paris. Comment je fais? Ça fait longtemps. Hey, Dieu éternel. Je n'ai plus jamais pris le train. Je ne sais pas. Je crois que je descends, non. Je fais comment? Je descends quand même. Je ne sais pas trop. Je ne sais plus. Attends, je demande aux gens aussi. Monsieur, excusez-moi. Pour aller prendre le RER. D'accord, merci. Maman, quand je viens d'arriver avec les escaliers. Les escaliers alors, maman. C'est dans la galère quand on go tout ma poupée. Waouh, la femme, si la mère ça va accoucher. Ouais, une ancienne riche. Maman. On va chercher le train, maman. On va faire comment? Bon, la team de Londres, je suis bien arrivée à Paris. Je vais chercher mon. Mais ceux-ci attendent de quoi, non? Ils sont aussi villageois comme moi. Ils viennent d'arriver à Mbé, maman. Ils sont what, non? Attendez. Pour chercher le train. Comment on fait? En bas. J'ai bien dit le RER. Ah, le TGV. Bon, je vous aime. Alice, qu'elle arrête de tuer qui? Bisous, à demain. Bonne journée à tout le monde.